كايش اللوز؟ الحمد الزنجلات والحمد والبرقوق الموتون والبرقوق الموتون نعم des courgettes et alors qu'est-ce que tu nous as fait le croque de Zidana le croque un gâteau pique marocain avec de la viande et de des prunes. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Des graines de sésame. C'est des crêpes marocaines. On les mange en sur notre de fête. C'est des fêtes marocaines. Ouais, ok. Alors, tu montres. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la pastilla. La pastilla est typiquement marocaine. Il existe deux sortes de pastilla. Celle aux amandes et aux poulets et celle aux poissons et aux fruits de mer. Vous préparez à la pâte de lentilles, de filets, de filets, de du poulet. C'est très, très difficile de vous départager parce que vraiment ça a été bien. Alors il y en a certains qui ont un petit peu plus de mal pour qui ont oublié les ingrédients. Autant je pense que dans la consigne que la maîtresse vous avait donnée, c'était de faire attention à tout ça pour présenter votre plat. Alors il y en a qui se sont un peu mieux débrouillés là-dessus que d'autres. Voilà. Donc à un moment on est obligé effectivement de choisir. Alors on va commencer par numéro 3. Alors en numéro 3, c'est l'enfant qui nous a fait un petit tagine avec viande, pruneau et œuf. Et c'est Inès. Bravo Inès. Allez, Inès. Podium. Oh, tu nous as présenté une pastilla. C'est toi le deuxième. Bravo. Allez, Sarah. Et le premier. C'est une première. Désolé les garçons. Hein. Et par rapport à ce qu'elle a présenté, au niveau surtout de l'élocution, ouais. Donc ça va être Lilia et ses deux petites pastillas. Wouh, Lilia.